ramasses. Donc la première étape, c'est qu'on a voulu tous ces sacs avant qu'ils les veuillent. On les avait tous. Ça, c'est la phrase. Les rapports, ça peut être terminé par un chapeau de sacs. Ça peut être deux fois des sacs. Essentiellement, c'est menti. Ouais. Mais ça peut aussi parfois être. Voilà. Si quelqu'un parle à un moment de. Quelqu'un parle à un moment de. D'oiseau, de pinceau, ça rentre. Si quelqu'un me dit par exemple que le pinceau a un très beau champ, ça condamne à les réduits qui pourraient avoir un rapport soit avec les oiseaux, soit avec les. Pas depuis le début du jeu, mais depuis le début de la manche. La manche, ouais, ok. On en fait une avis ? I have to restart the computer. Wait, it's gonna be quick. Soumise. La personne en général est posée là, mise à disposition, rendue disponible pour la question. La personne en général constitue un support idéal pour les questionnements, les soins, les belles et bonnes attentions, les accidents du soin, les accidents de ce qu'on pourrait appeler le vouloir du bien, qu'on appelle parfois faire du mal. Bonsoir. J'aimerais déterminer quelle est la différence entre une paire et un couple. Et pour ça, je vous pose la question, lequel des deux, de la paire ou du couple, lequel des deux est le plus fonctionnel, le plus fonctionnel. La personne est d'une certaine façon, en un sens précautionneusement, son propre suppôt. À la fois au sens scolastique du terme, un support pour les accidents, ici des accidents du soin, accidents du vouloir du bien. Mais aussi un plus commun, suppôt de son propre conflit. Für eine Maximalgeschwindigkeit hat Ihr Auto. Mein Auto hat eine Maximalgeschwindigkeit von 140 km/h.
ça a été caché, tu vois. Ça s'est fait cacher depuis le téléphone. Moi, je trouve ça pas mal que l'itinéraire soit le plus chaotique possible. Ça serait qu'on passe d'un truc extrêmement désordonné à quelque chose de très ordonné, à quelque chose d'extraordinairement bruyant. À quelque chose qui requiert le silence, je trouve ça. Mais peut-être qu'il faut mettre ça sur le compte de la cruauté d'Adrien, je sais pas. Jacques Lacan disait « La mort tue le tabac ». Il ajoutait parfois « Et alors ?» En général, nous finissons par chanter. Mais pas toujours. Thank you.
reculer un peu les enfants. Là, vous êtes vraiment très près. Désolé, hein, ce petit... Ici, c'est tout ça. Merci, c'était jeune fille horrible.
que ça va aller. C'est beau, non ? Tu penses de recourir les bouts de bois de couverture ? Il est où l'autre triangle ? Bon, après, on essaiera ton masque total. Non, il est prêt. Ok, vas-y, utilise tout et puis après tu. Bon, bah, on va le couper. Il m'a piqué mon costume. Pour plus tard. Oui, mais là, attends, là il est nouvel. Il a été. C'est trop stylé. Tu sais que tu devrais mettre ton maillot de bain en dessous. Je te l'ai pas piqué, je l'ai juste amélioré. Il est mieux que le tien. Allez. Au blanc en haut. Puis après. En bas, toutes les couleurs différentes. Toi, tu préfères lequel ? Nico, on avait fait quoi avec la queue ? On l'avait rentrée. Hein. Oui, et elle te tournait autour de la jambe. Ah, c'est trop beau ça. Il y avait des épingles. Mais je te le ferai bien tout à l'heure avant le spectacle. Ouais, d'accord. Là, en fait, le truc, c'est que si on le manipule trop, on va l'abîmer, c'est hyper fragile. Regarde Thomas, okay. Thomas. Mais il faut de la couverture de survie. Non. Allez. Cléo, non. Franchement. Quoi? On peut pas en abuser. Moi, je suis un fantôme qui est dans l'action parallèle et je danse sur. Pour la vignoise. J'ai cru que t'allais dire, je suis un fantôme qui est dans l'action parallèle. Pour toi, la vignoise. Hein. Nico, il me propose le boa rouge. Qu'est-ce que je fais? J'accepte ou j'accepte pas? Ouais, on est pas là, on est pas le son, hein, sur le. Non. C'est toi qui l'as utilisé, non? C'est un macro. Je pense que ça me tient sur les oreilles. Moi, je trouve ça un peu lourd. Tu joues le rôle de quoi exactement? Un tafur. Un quoi? Un tafur. Et qu'est-ce que c'est un tafur? C'est un millénariste de Mayence qui a perdu la route pour Jérusalem. En fait, il était dans les bagages des croisades. Ok. L'ami qui font des silhouettes, tu vois, où on distingue des choses comme forme. Qui dépassent. Mais après. Pourquoi c'est pas un peu trop bordélique? Il faudra peut-être arranger, recadrer. Quelqu'un mettre ça, c'est nécessaire. Et puis ça va être pour fixer les manques bleus au scotch sur mes bras. Bah, j'aimerais avec vous. Ça pourra vraiment quelqu'un. Quand ce sera le moment. J'ai essayé de rester assez fidèle à l'univers très bureaucratique de Michel Vinaver. J'ai travaillé pas mal avec l'éclairagiste aussi pour donner ces teintes un peu psychédéliques sur ces costumes gris. J'ai travaillé avec un tatoueur qui a tatoué les costumes gris souris. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Enfin, les troupes allemandes qui sont dans les théâtres ne comportent pas d'animaux. Et nous, ce qu'on peut, avec les moyens dont on dispose, ce qu'on peut faire, c'est des contrats intermittents. Et du coup, c'est ça qui a posé problème, parce que les associations de protection animale étaient très opposées à ce qu'on proposait des contrats précaires à leur réunion. Is the way things in the United States is the way the nonsense and the rest of the Après l'explosion finale, d'ici 50 ans sûrement, les forces aériennes se presseront à l'assaut de quelques planètes lointaines. Que tout se soit passé et ne se soit pas passé à la fois, cela n'y change absolument rien. À cuisiner des crêpes de pommes de terre et de la compote de pommes. Je les ai presque laissés brûler en tapant cet email. Attention, que personne ne mange la nourriture brûlée. Hier soir, s'est passé quelque chose, vous savez? Vous avez vu quelque chose? Selon le dictionnaire Larousse, on a trois définitions pour le mot accident.
Ces trois définitions-là, ce sont des définitions définition musique et définition philosophie. Avec des jeunes enfants motivés, 30 mètres, j'ai déjà vu ça, c'est très bien. En Égypte, tu te souviens, en Égypte. Bah oui. Il y avait des, quand même, plein d'enfants qui avaient trouvé une pyramide. Ça fait combien de mètres? Combien de temps? Combien de... C'est des centimètres en fait. Ah, 30 centimètres. C'est croiser et côtoyer les figures singulières de Charles Sanders Peirce, son collaborateur William James, le frère de ce dernier, Henri, la philosophe cynique Hipparchia, un moine aux visions apocalyptiques nommé Officinus de Calistrie, Là, je suis plutôt à voir. Je ne vous ai jamais vu en fleurs. Ça peut l'été alors. Et voir. Je sais pas trop, parce que là, j'ai vu qu'il y en a un qui est en désaccord avec la majorité. Fine, quand même. Je ne sais pas si elles sont fines. Il y a des endroits, j'étais très fière. Papa, vous voulez de la viande? Bon, Ah non.